Un garçon venait de se pendre dans la forêt de Saint-Germain pour une fillette au cœur tendre dont on lui refusait la main. Un passant, le cœur plein d'alarme, en voyant qu'il soufflait encore, dit allons chercher les gendarmes, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Le brigadier sans perdre haleine enfourcha son grand cheval blanc. Arrivé chez le capitaine, il conta la chose en tremblant. Un jeune homme vient de se pendre, à son âge quel triste sort. Faut-il qu'on aille le dépendre, peut-être bien qu'il n'est pas mort. L'officier, frisant sa moustache, se redresse et répond soudain. Vraiment, c'est une noble tâche que de soulager son prochain. Cependant, je n'y puis rien faire, ça n'est pas de notre ressort. Courez donc chez le commissaire, le pendu vit peut-être encore. Le commissaire sur la place descendit, c'était son devoir. D'un coup d'œil en passant l'espace, il cria de tout son pouvoir. Un jeune homme vient de se pendre, vit la joie de beaucoup d'efforts. Emportons de quoi le dépendre, peut-être bien qu'il n'est pas mort. Vers le bois, on arrive en troupe, on s'arrête en soufflant un peu. On saisit la corde, on la coupe, le cadavre était déjà bleu. Sur l'herbe foulée, on le couche, un vieux s'approche et dit d'abord. Soufflez-lui de l'air dans la bouche, c'est pas possible qu'il soit mort. Les amis, pensez, est-ce drôle de se faire périr ainsi? La fillette, comme une folle, criait « Je veux mourir aussi !» Mais les parents miséricorde disaient en guise d'oraison « Partageons-nous toujours la corde, c'est du bonheur pour la maison. Partageons-nous toujours la corde, c'est du bonheur pour la maison. »